Coucou, salut vous! Alors voici une nouvelle vidéo où je vous partage quelques idées cadeaux. Même si je ne fête pas Noël, je sais que c'est la saison et ce sont des cadeaux que vous pouvez offrir à tout moment et pour n'importe quelle occasion. Et tous ces cadeaux sont à moins de 10 euros. Alors le premier cadeau, c'est en fait une boîte à recettes. Dans cette boîte, donc il y a des feuilles sur lesquelles vous pouvez écrire à la main, un peu à l'ancienne, les recettes que vous aimez, que vous avez envie de refaire. Et moi, comme idée que j'ai à vous proposer, c'est pourquoi ne pas personnaliser en écrivant 2-3 recettes que vous aimez et partager avec votre ami. Il coûte entre 4 et 6 euros chez Tiger Copen. Alors le deuxième article, c'est en fait une grille murale que j'ai trouvée chez Emma. Le prix, c'est entre 8 et 10 euros, maximum 10, ça te dépasse pas 10 euros, ça c'est sûr. Et c'est vraiment très épuré, ça fait très scandinave, c'est vraiment à la mode, c'est très tendance. Et moi, je vous propose de personnaliser un petit peu en mettant des petites cartes, des petits mots dessus. Et je pense que vraiment, ça, le rendu est vraiment différent quand on va personnaliser un tout petit peu. Alors cette troisième idée, c'est surtout mon mari qui me l'a donnée. Il l'a achetée récemment sur Amazon, c'est donc de l'oud, acheté pour 10 euros. Alors autant vous dire que c'est pas une qualité premium. C'est donc alors qu'est-ce que c'est l'oud? C'est comme de l'encens. C'est surtout utilisé vers le Moyen-Orient, nord de l'Inde. C'est des morceaux de bois sur lesquels il y a une huile parfumée. Donc là, pour le coup, pour le prix que c'est, certainement des parfums de synthèse. Ce n'est pas forcément naturel, mais ça sent super bon. Alors, comment on utilise ça? On va mettre sur un brûleur, mais on va d'abord le poser sur un morceau de charbon qu'on aura mis sur un brûleur, et on va donc l'allumer avec du feu. Dès que c'est allumé, il y aura une fumée blanche qui va venir et cette fumée blanche va embaumer tout votre intérieur. Les odeurs sont plutôt fortes, je dois vous le dire, mais celui-là, il est plutôt doux, hein, comparé à ceux que j'ai pu avoir précédemment. Mais si la personne à qui vous comptez offrir aime les senteurs boisées, un peu terreux, alors là, je pense qu'elle sera contente. Alors ça c'est une idée un peu plus standard, donc ce sont des bracelets, deux bracelets qui sont vendus ensemble chez Parfois, 9,99 € je me souviens. Malheureusement les images ne sont pas très nettes, donc je vous invite à venir voir mon blog, il y a des images bien plus jolies, tout est en barre d'infos. Donc il y a deux bracelets, donc un petit et un grand que l'on enroule deux fois et qui peut également être mis comme un raccou, donc comme un choker. Donc je trouve ça très joli. Et les deux mis ensemble, c'est trop trop joli. Alors voici mon coup de cœur, vraiment, ça c'est sûr et c'est certain. Je l'ai trouvé chez Pylône, il m'a coûté 8 euros et quelques. Et vraiment, il est trop chou. Alors, je vous laisse deviner à quoi il peut bien servir. En tout cas, il lie l'utile à l'agréable parce que c'est super agréable de voir ce petit chat et de le toucher aussi. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez deviné? Oui, non? Alors, vous allez bien savoir là, maintenant, tout de suite, ce que c'est. C'est en fait c'est un repose-poignet. Donc, très très utile pour les gens qui utilisent beaucoup la souris. J'adore les carnets. Personnellement, je pense que je pourrais commencer une petite collection, tellement j'en ai. Des rouges, des noirs, j'en ai de toutes les tailles, si vous voulez. Vraiment, c'est pas cher et c'est une idée cadeau que personnellement j'apprécie. Ça donne de la motivation, ça donne des idées, ça donne envie d'être plus organisé. Moi, c'est Adil, Mariam et Lenia qui m'ont offert ces deux carnets bleus. Et on m'a dit, voilà, ça c'est pour toi quand tu vas faire YouTube et pour tes vidéos. Donc, donner des carnets, mais avec une idée derrière. Alors, on termine avec un truc ultra classique, voire même kitsch, un mug. Ok, mais ne prenez pas le mug que personne ne veut, mais voilà, avec une petite touche perso, c'est encore mieux. Surtout si vous avez une idée du goût de la personne qui vous allez offrir. Alors celui-là, je l'ai acheté au marché Noël de Heidelberg. Donc voilà, c'était juste pour un souvenir et je pense que ça peut faire
Ça peut faire un joli cadeau si la personne elle aime la vaisselle ou les mugs, ou si elle aime le café, si elle aime le thé. Donc retrouvez tous ces articles et il y a beaucoup plus de photos de meilleure qualité sur mon blog. Je vous laisse tout en barre d'infos. À bientôt et merci!